Pour l'heure, un prototype. Mais ce drôle d'engin équipé de panneaux solaires alimentant un moteur électrique doit participer au SunTrip 2018, raid entre Lyon et la Chine à l'aide de vélos électriques solaires. Donc toi, tu vas t'occuper de régler la vitesse maxi. Hein, et tous les deux, vous regardez, vous allez centrer la roue arrière. Alors tu vérifies la tension de la chaîne. Ouais. Bernard Coquil pilote l'engin qu'il utilise aussi dans ses cours et travaux pratiques à l'IUT de Tarbes. Car le tricycle décline technologie enseignée à la centaine d'étudiants répartis en différentes spécialités. Les étudiants, même s'ils ont un diplôme de génie mécanique, quand ils vont être dans le milieu du travail, ils vont travailler sur des dispositifs où ils verront de l'électronique, ils vont voir de la programmation, ils vont voir des matériaux nouveaux, différentes façons de fabriquer. Et là, sur un engin comme celui-là, on retrouve un petit peu toutes ces choses-là. Un tricycle comme support d'enseignement, c'est déjà pas banal. Autre avantage du projet, sa longue préparation. En plus, ça se fait dans la durée, c'est-à-dire qu'il y a la durée de l'étude, la durée de la réalisation, et puis ensuite l'exploit, enfin, ou la participation lors de l'événement qui est importante. Et... Bon, l'accélérateur, il est là. Et le frein ici. L'IUT accueille aussi quelques étudiants chinois précieux pour préparer, partager l'aventure et qui sait peut-être participer au raid. Départ dans un an, le temps d'une bonne préparation physique.